Nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Solange Bessé, en épousant cette célèbre citation de Raoul Folero, a encore fait parler son cœur ce dimanche 24 décembre 2023. Et pour cette édition, l'Amazone des temps modernes a fait vibrer le cœur des enfants en situation vulnérable de Niezoumé dans la commune de Lalo. Oui, un rendez-vous pour donner des sourires à ses amis innocentes, mais aussi une occasion pour la dame de fer de penser à ses jolies mamans en situation de veuvage. Des pagnes bien cousues sont gracieusement offertes à cet effet. Aujourd'hui, j'ai impacté près de 100 enfants et près de 50 veuves. L'ambiance était vraiment merveilleuse. Les enfants étaient vraiment en joie, de même que les veuves, disons, toute la population de l'arrondissement de Niezoumé était en joie. Je demande à ces enfants de maintenir cette joie jusqu'à la nouvelle année, de maintenir cette joie jusqu'à l'éternité, parce que dans la joie, on a beaucoup de choses. Et je demande également à ces veuves de maintenir cette joie. À l'endroit des autres bienfaiteurs de la commune, je leur demande de bien vouloir accompagner l'initiative pour que les années à venir, nous puissions impacter plus de monde. Et je profite de l'occasion pour souhaiter bonne et heureuse année à la population de l'arrondissement de Niezoumé, de la commune de Lalo, et pourquoi pas à toute la population béninoise et du monde entier. Une démarche noble et édifiante à en croire le chef de l'arrondissement de Niezoumé. L'autorité pour sa part dit merci et prie pour sa pérennisation. Vraiment, cette initiative, c'est une bonne initiative et je ne saurais qu'à le remercier. Ce qu'elle a fait, c'est intéressant. Et cette fête ne sera pas la dernière, que ce soit une continuité pour elle. Même constat dans le rang de ses mamans qui magnifient le généreux donateur. Et ceci pour le bien-être social de tous.